Ça arrivait toujours. À un moment ou un autre, il y en a un qui levait la tête et qui la voyait. C'est très difficile à expliquer. Je veux dire, on était plus d'un millier sur ce bateau. Entre les rupins en voyage, les émigrants, d'autres gens bizarres et nous, et pourtant il y en avait toujours un. Un seul, mais un seul parmi tous ceux-là, un seul qui, le premier, la voyait. Un qui était peut-être là en train de manger ou simplement de se promener sur le pont ou de remonter son pantalon, il levait la tête un instant, il jetait un coup d'œil sur l'océan et il la voyait. Alors, il s'immobilisait là sur place, son cœur battait en explosait et chaque fois, mais chaque maudite fois, je le jure, il se tournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres et il criait « L'Amérique !» Celui qui est le premier à voir l'Amérique, sur chaque bateau, il y en a un. Et il ne faut pas croire que c'est le hasard, hein, ni même une question de bonne vue, c'est le destin, ça. Oui, ces types-là, dans leur vie, ils avaient cet instant-là décrit. Même tout petit, si tu les regardais dans les yeux, en les regardant bien, tu la voyais déjà, l'Amérique. Elle était là, prête à bondir, à remonter le long du sang, des veines, ou je sais pas quoi, moi. Hein. Et puis, dans ce cri, l'Amérique, elle était déjà là dans ses yeux d'enfant, l'Amérique tout entière, là qui attendait. Celui qui m'a appris ça, c'est Danny Boudman, T.D. Lemon, Novichenko. The clarinetist, Benny Goodman. Non. Danny Boudman, T.D. Lemon, Novichenko. Le plus grand pianiste, le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Dans les yeux des gens, on voit ce qu'ils verront. Pas ce qu'ils ont vu. On voit ce qu'ils verront. Il disait ça. Et j'en ai vu, moi, des Américains. 7 ans sur ce bateau. 5 ou 6 traversées par année, Europe, les Amériques et retour, toujours à tremper dans l'océan. Quand tu descendais à terre, tu n'arrivais même plus à pisser droit dans la cuvette. La cuvette, elle ne bougeait pas. Mais toi, tu continues à te balancer parce que le bateau, tu peux toujours en descendre, mais l'océan, jamais. J'y suis monté, moi j'avais 17 ans. Et dans la vie, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéressait, c'était jouer de la trompette. Alors, quand le bruit a couru qu'ils cherchaient des gars pour le paquebot, le Virginian, là-bas sur le port, je me suis mis sur les rangs avec ma trompette, janvier 1927. Oh, les musiciens, on en a déjà, il me dit le type de la compagnie. Oh, je dis, je sais. Et j'ai continué à jouer. Le type, il est resté là, à me fixer,
pas un muscle de son visage qui bougeait. Il a attendu que j'ai fini, mais sans dire un seul mot. Et puis, il m'a demandé, c'était quoi ça? Et j'ai dit, je sais pas. Alors, le type, il m'a regardé, il me dit, quand tu sais pas ce que c'est, alors c'est du jazz. Et puis, il a fait une espèce de drôle de sourire avec la bouche. Il avait une dent en or, mais tellement mieux qu'on aurait dit qu'il l'avait mise en vitrine pour la vendre, quoi. Quand tu sais pas ce que c'est, alors c'est du jazz. Et il raffole de ça, là-haut. Alors là où ça voulait dire sur le bateau et cette espèce de sourire, ça voulait dire que... Et j'étais engagé. On jouait parce que l'océan, c'est grand. Ouais, ça fait peur. On jouait pour les faire danser parce que si tu danses, tu ne meurs pas. Et puis, on jouait du ragtime. Parce que c'est la musique sur laquelle Dieu danse quand personne ne le regarde. La musique sur laquelle Dieu danserait s'il était noir. La clarinette, Sam Sleepy Washington. Banjo, Oscar de la Guerra. Trompette, Tim Tooney. Guitare, Samuel Hawkins. Et enfin, au piano, le plus grand, Danny Boudman, T.D. Lemon, Novacek. Alors lui, il était vraiment le plus grand. Nous, on jouait de la musique. Hein. Mais lui, c'était différent. Lui, il jouait une musique qui n'existait pas. Une musique qui n'existait pas avant qu'il se mette à la jouer. Une musique qui n'existait nulle part. Et quand il quittait son piano, ça n'existait plus. Définitivement. Danny Boudman, T.D. Lemon, Novacek. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis là-bas sur une caisse qui avait l'air d'être bourrée de dynamite. Et il disait... T'es pas vraiment fichu tant qu'il te reste une bonne histoire et une personne à qui la raconter. Bon. Il était sa grande histoire à lui tout seul, une histoire dingue, à vrai dire, mais tellement belle. Quoi. Et ce jour-là, assis sur cette charge de dynamite, il m'en a fait... cadeau. Parce que j'étais son meilleur ami. C'est un marin appelé Danny Boudman qu'il avait trouvé. Il le trouva dans une boîte en carton, alors que tout le monde était déjà descendu à Boston. Il devait avoir dans les 10 jours, guère plus. Il pleurait même pas, il restait là, bien tranquille, dans sa boîte, les yeux ouverts. Quelqu'un l'avait laissé là, dans la salle de bal des premières classes, sur le piano à queue.
c'est les émigrants, en général, qui font ça. Pas qu'ils soient méchants, non, mais parce que c'est la misère noire. Un peu comme pour leurs habits. Ils montaient à bord, avec des pantalons tout rapiécés, les seuls qu'ils possédaient. Mais à la fin, parce que l'Amérique restait et restera toujours l'Amérique, tu les voyais tous descendre avec les habits neufs. Ça, ah, ils savaient. Ah, pendant ces 20 jours de traversée, ça y allait. Hein. Ça coupait, ça cousait. À la fin, sur le bateau, tu ne retrouvais plus rien. Même pas un rideau, même pas un drap. Ils s'étaient fait le beau costume pour l'Amérique. Tu ne pouvais rien leur dire. Bon, bref, de temps en temps, il leur arrivait aussi un mouflet, autrement dit, une bouche de plus à nourrir, et pour un immigrant, un sacré paquet d'ennuis à l'office de l'immigration. Alors, il laissait là le bébé, en échange des rideaux et des draps. C'est ce qui avait dû arriver à ce mouflet-là. Il s'était fait le raisonnement suivant. Si on le laisse dans la salle de bal des premières classes sur le piano à queue, peut-être que un Rupin va le prendre et qu'il vivra heureux toute sa vie. C'était un bon plan qui marcha à moitié. Rupin, il ne le fut pas, mais pianiste, oui. Et le plus grand, ah, je le jure, le plus grand pianiste, mais de tous les temps. Bon, bref. Le vieux Danny, il le trouva là. Et il chercha quelque chose indiquant qui il était, mais il ne trouva rien, sauf une inscription écrite à l'encre bleue. C'était écrit TD Limoni, et avec une espèce de citron dessiné. Danny Boudman, c'était un nègre de Philadelphie. Géant d'homme, magnifique à voir. Il prit le bébé dans ses bras et lui dit « Hello, Lemon ». Et quelque chose à l'intérieur de lui se déclencha, quelque chose comme la sensation qu'il était devenu père. Et tout le reste de sa vie, il continue à prétendre que TD, ça voulait évidemment dire « Thanks, Danny ». Non mais c'était absurde, mais il y croyait. Ce mot, on l'avait laissé là pour lui. TD, thanks, Danny. Alors, ce môme, il a commencé par lui donner le sien de nom. Danny Boudman, la seule vanité qui se soit jamais accordée. Et puis, il a ajouté TD Lemon, comme c'était écrit sur le carton de la boîte. Alors, ce qui donna Danny Boudman TD Lemon. C'est un beau nom, ils se le répétèrent à voix basse dans la salle des machines, le vieux Boudman et les autres, tout ça trempant dans l'eau du port de Boston. Un beau nom, finit par dire le vieux Boudman, mais il lui manque quelque chose, il lui manque un grand final. Mais c'était vrai, il lui manquait un grand final. Tant qu'à l'appeler Mardi, dit Sam Stoll qui était serveur, tu l'as trouvé un Mardi, tant qu'à l'appeler Mardi. Alors le vieux Boudman réfléchit un peu, il dit, c'est une bonne idée Sam, je l'ai trouvé. La première année de ce foutu nouveau siècle, on va l'appeler Novecento. Novecento. Novecento 1900. Mais 1900, c'est un chiffre. C'était un chiffre. À partir de maintenant, ce sera un nom. Danny Boudman, Teddy Lemon, Novecento. C'est parfait, c'est magnifique. Un sacré nom. Il ira loin avec un nom comme ça. Ils se penchèrent tous sur la boîte en carton. Danny Boudman, Teddy Lemon Novecento les regarda et sourit. Ils en restèrent baba. Thank you.
Mann resta encore marin pendant 8 ans, 2 mois et 11 jours. Et puis, pendant une tempête, il reçut en plein dos une poulie devenue folle. Il mit 3 jours à mourir. Impossible de réparer, il était tout cassé de l'intérieur. On l'enveloppa dans une grande toile et puis on le rendit à l'océan. Et sur la toile, à la peinture rouge, le capitaine écrivit « Thanks, Danny ». C'est ainsi que Novecento devint orphelin brusquement pour la deuxième fois. Il avait 8 ans, derrière lui une cinquantaine d'allers-retours Europe les Amériques. Sa maison, c'était l'océan. Quant à la terre, il n'avait jamais posé le pied dessus. Il n'avait jamais posé le pied sur terre. Il l'avait vu, hein, bien sûr, depuis les ports, mais y descendre, jamais. Il faut dire que le vieux Boudman, il n'avait pas envie qu'on le lui prenne avec ses histoires de passeport, de visa, ce genre de choses, si bien qu'à chaque escale, Novecento, lui, y restait à bord et au bout d'un certain moment, on repartait. À dire plus précisément, Novecento, pour le monde, il n'existait pas. Pas une ville, pas une paroisse. Pas un hôpital, pas une équipe de baseball où son nom soit marqué quelque part. Et il n'avait pas de patrie, il n'avait pas de famille, il n'avait pas de date de naissance. Il avait 8 ans, mais officiellement, il n'était pas né. Ça ne pourra pas durer éternellement, cette histoire, disaient quelquefois les autres au vieux Boudman. Et en plus, c'est contre la loi. Alors, le vieux Boudman, il avait une réplique, il n'est pas un pli. Au cul, la loi, il disait. On ne peut plus vraiment discuter à partir de là. À l'arrivée à Southampton, à la fin de la traversée pendant laquelle le vieux Boudman était mort, le capitaine décida qu'il était temps de mettre fin à cette plaisanterie. Il convoqua les autorités portuaires, il demanda à son second d'aller chercher Novecento. Eh bien, jamais son second ne put le trouver. Ils cherchèrent dans tout le bateau pendant 3 jours, rien. Il avait disparu. Cette histoire, personne ne la digérait vraiment sur le bateau parce qu'il s'était habitué finalement à ce gamin sur le Virginian et puis... C'est vite fait, hein, de se jeter du haut de la rambarde et la mère, elle, elle fait ce qu'elle veut. C'est bien qu'ils avaient tous un peu la mort dans l'âme quand le bateau est reparti, quinzaine de jours plus tard, pour... Rio de Janeiro. Le deuxième jour de navigation, alors qu'on ne voyait même plus les lumières de la côte irlandaise, Barry, maître d'équipage, entra comme un fou dans la cabine du commandant, le réveilla en disant qu'il devait absolument venir voir. Salle de bal des premières classes, lumière éteinte, quelques silhouettes en pyjama, quelques personnes tirées de leur cabine, tous à regarder Novecento. Il était assis sur le tabouret du piano, ses jambes pendantes, elles ne touchaient même pas le sol. Et aussi vrai que Dieu est vrai, il était en train de jouer. Il jouait une petite, petite musique, mais tellement belle et pas de trucage. Hein. C'était vraiment lui qui jouait... C'était ses mains, lui, sur ce clavier. Il y avait une grosse dame avec une robe de chambre rose et des espèces de bigoudis dans les cheveux. Genre bourré de fric, vous voyez ce que je veux dire. Une Américaine mariée avec un assureur libanais. Vous voyez ce que je veux dire. Elle était là, elle pleurait, ça coulait sur sa crème de nuit. Quand il vit le commandant à côté d'elle, bouillant de surprise, mais bouillant littéralement, elle lui demanda, « S'appelle comment ?»« Novecento ?»« Non, pas la chanson. »« Le petit garçon, Novecento, comme la chanson. » C'était le genre de conversation qu'un commandant de marine peut difficilement poursuivre au-delà des 4 ou 5 premières répliques. Surtout quand il vient de constater qu'un gosse qu'on croyait mort non seulement était vivant, mais entre-temps avait appris à jouer du piano.
Alors il quitta là, la grosse dame riche avec ses grosses larmes, il traversa toute la salle, il s'arrêta devant Novecento. Il avait beaucoup de choses à lui demander à ce moment-là, entre autres, où est-ce que t'as appris ça, bordel, et où est-ce que tu t'étais fourré, nom de Dieu. Mais comme beaucoup d'hommes habitués à vivre en uniforme, il avait fini par penser également en uniforme. C'est pourquoi il lui dit simplement, Novecento, tout ceci est absolument contraire au règlement. Novecento s'arrêta de jouer, c'est un petit gamin, il parlait peu, mais il apprenait vite. Avec douceur, il regarda le commandant et lui dit, au cul, le règlement. Au cul, le règlement. Première traversée, première tempête! Génial! J'avais même pas eu le temps de comprendre où j'étais, que je me retrouvais dans un des gras les plus terribles de l'histoire du Virginian! Un type qui est sur un bateau pour jouer de la trompette, on peut pas dire qu'il soit d'une grande utilité quand l'ouragan arrive. Il peut juste éviter de jouer de la trompette histoire de pas compliquer les choses, et puis de rester bien sagement sur sa couchette. Mais moi, je pouvais pas. Alors, je suis sorti de ma cabine et j'ai commencé à errer dessus de là. Ça faisait 4 jours seulement que j'étais sur le bateau. Déjà pas mal si je retrouvais le chemin des chiottes. Mais c'est des vraies villes flottantes, ces trucs-là. Alors, à force de me cogner dessus de là, j'ai fini par me perdre. Bref, cette fois, j'étais foutu. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un type, mais extrêmement élégant. Tout habillé de noir, on aurait dit qu'il n'entendait même pas les vagues, comme s'il était à Nice sur la promenade des Anglais. Il marchait tranquille. Ce type-là, c'était Novecento. Il avait 27 ans à l'époque. Il paraissait beaucoup plus âgé. Je le connaissais à peine. On avait joué ensemble ces 4 premiers jours dans l'orchestre, mais c'était tout. Je ne sais même pas où était sa cabine, rien. Ah, bien sûr, les autres m'avaient un peu parlé de lui et ils disaient des drôles de choses. Ils disaient, Novecento, il n'est jamais descendu. Il est né sur ce bateau depuis il est resté toujours 27 ans sans mettre le pied à terre, jamais. Et comme ça, ça paraît une blague monumentale, quoi. Il disait aussi qu'il jouait une musique qui n'existait pas. Alors moi, ce que je savais, c'est que chaque fois qu'on s'apprêtait à jouer, Fritz Herrmann, blanc, qui ne comprenait rien à la musique, mais qui dirigeait l'orchestre, il s'approchait de Novecento et lui disait, Novecento, que les notes normales, ok. Et Novecento, de oui de la tête, il jouait que les notes normales. Cette nuit-là, avec son air de grand seigneur en vacances, il me vit là, là, mais égaré, avec la tête du type qui est mort. Il me regarda, il me sourit, il me dit, viens, moi j'y allais donc. Un type qui est sur un bateau pour jouer de la trompette, quand il rencontre au milieu de l'ouragan un type qui lui dit, viens, le type qui est sur un bateau pour jouer de la trompette, il n'a qu'une seule chose à faire. Il y va. J'y allais donc. Alors, lui, il marchait. Moi, c'était un peu différent. On n'avait pas exactement la même allure. On arrive dans la salle de bal des premières classes. Personne dans les environs, nuit noire. Traverse la salle, on arrive près du piano, Novecento me monte les pieds du piano et il me dit « Enlève les cales, enlève les cales !» Le bateau tanguait, tu tenais pas debout, ça n'avait aucun sens de débloquer ses roulettes. « Si t'as confiance en moi, enlève-les, il me fait. » Ah, j'ai pensé, il est fou ce type. Et je les ai enlevés.
Et maintenant, viens t'asseoir à côté de moi. Ah non, mais moi, j'y comprenais rien. Non, attention, c'était une situation, mais de merde. Hein. Non, mais j'étais là en train de tenir ce piano qui commençait à glisser comme un énorme savon noir dans la tempête jusqu'au cou avec ce dingue en plus qui me dit « Si tu t'assieds pas maintenant, tu t'assieras jamais !» Putain ! Mais t'enquête dans la merde, mais autant sauter à pieds joints. Ça y est, j'y suis sur ton tabouret de merde. Et maintenant ? Et maintenant, n'aie pas peur ! Et... Et il commence à jouer, quoi. Bon, à présent, personne ici n'est obligé de me croire. Et pour être honnête, si on me racontait cette histoire, moi, je ne la croirais pas. Mais la vérité, vraie. C'est que ce piano commença à glisser le long de la salle de bal avec nous derrière, Novecento et moi, et Novecento qui jouait. Et le piano suivait les vagues. Il s'en allait d'un côté, puis revenait de l'autre, et puis... tourner sur lui-même. Et puis, il filait tout droit vers les baies vitrées. Un cheveu de la vitre, il s'arrêtait. Et puis, il repartait dans l'autre sens. Je veux dire que c'était comme si l'océan nous berçait. Et moi, je n'y comprenais rien. Et Novecento, lui, il jouait et il continuait à jouer. Mais c'était clair que ce piano, il se contentait pas de jouer dessus, mais qu'en plus, il le conduisait. Vous comprenez, non? Il le conduisait, mais où il voulait. Avec les touches, avec les notes, avec... Bon, je sais pas quoi, moi, mais en attendant, il le conduisait. Et alors qu'on voltigeait entre les tables, en frôlant les lampadaires et les fauteuils, j'ai compris à ce moment-là que... Ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan. Nous et lui, des danseurs fous, emportés par une valse folle dans le fracassement des vagues, illuminés de la nuit. Oh, yeah. Come as we gonna be, like summer, soft as the rain, sweet as the end of pain, star gleaming, brightest fire in the night.
Et c'est là, dans la salle des machines, cette nuit-là, enfermé, que Novacento et moi, nous devînmes amis à la vie et à la mort, pour toujours. Notre temps passa à calculer ce que pouvait coûter en dollars tout ce qu'on avait cassé. Et plus ça chiffrait, plus on riait. Ah, quand j'y pense, je crois bien que c'était ça, être heureux, ou en tout cas ça y ressemblait vigoureusement. Quoi. Ah, et c'est cette nuit-là que j'ai demandé à Novacento si elle était vraie son histoire de lui et du bateau, enfin, qu'il était né sur le bateau et surtout qu'il n'était jamais descendu. Et il m'a répondu oui. Mais vrai, vraiment, quoi. Vrai, vraiment. Alors, j'ai eu, pour la première fois de ma vie, et sans savoir vraiment pourquoi, une espèce de frisson. Et c'était un frisson de peur. Ouais. De peur. Ah. Un jour, j'ai demandé à Novacento à quoi diable il pensait quand il jouait. Les yeux toujours fixés devant lui, jamais un regard pour ses mains, jamais, jamais. Où diable il s'en allait dans sa tête, tandis que ses mains se promenaient toutes seules sur les touches. Et il m'a répondu. Alors aujourd'hui, je suis allé dans un pays très beau. Les femmes avaient les cheveux parfumés. Il y avait de la lumière partout et c'était plein de tigres. Et il voyageait, quoi. Et puis, chaque fois, c'était dans un endroit différent, en plein centre de Londres ou dans un train, quoi. Et il voyageait. Mais le plus difficile à comprendre, c'était... Comment il pouvait savoir à quoi ça ressemblait de la neige ou des tigres? Non, je veux dire, il n'était jamais descendu de ce bateau. Jamais descendu. C'est pas une blague. C'est absolument vrai. Jamais descendu. Jamais. Et pourtant, toutes ces choses-là, c'est comme s'il les avait vues. Novacento, tu lui disais une fois, j'étais à Paris. Alors il te demandait si tu avais vu les jardins de machin truc ou si tu avais dîné à tel endroit. Il disait, oh, moi ce que j'aime à Paris, c'est me balader en attendant le coucher du soleil et puis en me promenant sur le pont Neuf. Et quand je vois les péniches, m'arrêter, les regarder et leur faire un signe de la main. Et Novacento, tu y allais à Paris? Alors, c'est-à-dire si, mais pourquoi si? Pareil. Ah, tu pourrais penser qu'il était fou, mais c'était pas si simple, quoi. Le monde, il l'avait jamais vu, mais ça faisait 27 ans que le monde, lui, passait sur son bateau, et ça fait 27 ans que Novacento le guettait et il lui volait son âme. Et il avait du génie pour ça, oui, il faut le dire. Il savait écouter, il savait lire, pas les livres, ça, non, tout le monde sait lire. Non, ceux qui savaient lire, lui, Novacento, c'était les gens. Les signes que les gens emportent avec eux, leur... odeur, leur terre, leur histoire écrite sur eux du début jusqu'à la fin. Quoi. Et lui, il la lisait. Et avec un soin infini, il cataloguait, il répertoriait, il classait. Et puis chaque jour, il ajoutait un petit quelque chose à cette carte immense qui se dessinait dans sa tête. Une carte... du monde entier, avec des villes gigantesques et des comptoirs de bardes, des longs fleuves et des petites flaques. Et ensuite,
survolait dessus comme un dieu, quoi. Tandis que ses doigts caressaient les courbes d'un ragtime. Novecento? Novecento, mais pourquoi est-ce que tu descends jamais? Pourquoi est-ce que tu descends pas une fois? Une seule fois? Pourquoi est-ce que tu restes sur cette prison flottante alors que tu pourrais être à Paris, sur ton pont neuf, à regarder les péniches et le reste? Novecento! 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 Tu joues du piano comme un dieu! Mais tu pourrais gagner un paquet de fric! Tu pourrais choisir la plus belle maison! Tu la mettrais où tu veux, sur Carroll Street ou au milieu des tigres! Novecento, le monde, il est là! Il y a juste cette foutue passerelle à descendre, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Quelques petites marches de rien du tout, mais au bout, il y a tout, nom de Dieu! Il y a tout! Il y a tout! Novecento, mais pourquoi? 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 Archichep, vous avez connu Jelly Roll Morton? Non, je suis trop jeune. Jelly était né en 1800, quelque chose. En tout cas, ce fut durant l'été 1931 que Jelly Roll Morton monta à bord du Virginia. Extrêmement élégant, tout habillé de blanc jusqu'au chapeau, avec un diamant comme ça au doigt. Alors, lui, c'était un type, quand il faisait des concerts, il écrivait sur les affiches, « Ce soir, Jelly Roll Morton, l'inventeur du jazz. » Il ne disait pas ça pour plaisanter. Hein. Non, mais il le croyait vraiment, l'inventeur du jazz. Ah, bien sûr, c'est ça. Il jouait du piano. Alors, toujours un peu assis de trois quarts, avec des mains, mais comme des papillons, ultra légères. Il avait commencé dans les bordels à la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'il avait appris à effleurer les touches et caresser les notes. À l'étage au-dessus, les gens faisaient l'amour. Ils ne voulaient pas entendre du bastringue. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était une musique qui sache se glisser derrière les tentures et sous les lits. Et lui, il leur donnait cette musique-là, et pour ça, vraiment, c'était le meilleur.
Un jour, quelque part, il entendit parler de Novecento. Quelqu'un dut lui dire un truc dans le genre, celui-là, c'est le plus grand pianiste du monde. S'il a envie, il te joue du jazz. S'il n'a pas envie, il te joue quelque chose. Ouais. C'est comme 20 jazz à la fois. General Morton, il avait un foutu caractère, hein. Ça, tout le monde le sait. Et il dit, il ferait comment pour savoir jouer un type qui n'a même pas assez de couilles pour descendre de son foutu bateau. Et le voilà parti à rire comme un malade, lui, l'inventeur du jazz. Les choses auraient pu en rester là, sauf que le type a ajouté, tu fais bien de rire, hein, parce que ce type-là, le jour où il descend, toi tu repars jouer dans les bordels. Aussi vrai que Dieu est vrai dans les bordels. Jelly Roll s'arrêta de rire, il sortit de sa poche un petit pistolet à crosse de nacre, il visa la tête du type qui avait parlé, il tira pas, mais il lui dit, il est où ce foutu bateau. Son idée à lui, c'était un duel. C'était un duel, et ça se faisait à l'époque. C'était son idée à lui, Jelly Roll Morton, en finir une fois pour toutes avec cette idée du pianiste sur l'océan, toutes ces blagues. À 21h37, le deuxième jour de navigation avec le Virginian lancé à 20 nœuds sur sa route vers l'Europe, Jelly Roll Morton se présenta dans la salle de bal des premières classes. Extrêmement élégant, tout habillé de noir. Les danseurs s'immobilisèrent. Nous, à l'orchestre, on posa nos instruments. Le barman servit un whisky. Jelly Roll prit le whisky, traversa toute la salle. S'approcha de Novecento et il lui dit, bouge-toi. Novecento se bougea. C'est vous qui avez inventé le jazz, c'est ça? Oui. Et c'est toi qui ne peux pas jouer sans l'océan sous les fesses, c'est ça? Les présentations étaient faites. Jelly Roll Morton allume une cigarette. Il s'assit sur le tabouret du piano et commença à jouer Ragtime. Ouais, mais comme quelque chose que... on n'aurait jamais entendu. Quoi. Ah non, mais il jouait pas, quoi. Il glissait, quoi. C'était comme une combinaison de soie qui glisserait le long du corps d'une femme, mais en dansant, quoi. Il y avait tous les bordels de l'Amérique dans cette musique, mais les bordels de luxe. Jelly Roll termina en brodant quelques petites notes tout là-haut, 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 à la fin du clavier. La cigarette était encore allumée, à moitié consumée, avec la cendre encore toute accrochée, comme si elle avait préféré ne pas tomber pour ne pas faire de bruit. Jelly Roll la prit dans ses doigts. Il avait des mains, c'était des papillons, hein. Je l'ai dit. Il traversa toute la salle. La cendre ne tombait toujours pas. Bon, il y avait peut-être un truc. J'en sais rien. Il s'approcha de Novecento. Il lui dit, à ton tour, marin. C'était au tour de Novecento. Il me dit, il est complètement nul, ce type, donne-moi une cigarette. Ah ben, il était complètement ailleurs. Je prends une cigarette, je donne une cigarette, ouais. Il ne fumait pas, Novecento. Il n'avait jamais fumé. Il prit ma cigarette, il alla s'asseoir sur le tabouret du piano. On entendit quelques sifflets. Et de trop plaisanterie est plutôt lourde, les gens sont comme ça, méchants avec les perdants. Novecento attendit un peu qu'il se fasse un certain silence, et puis il regarda Jelly Roll Morton qui est en train de boire une coupe de champagne au bar et lui dit, tu l'auras voulu, pianiste de bordel. Et puis il posa ma cigarette sur le bord du piano, éteint. Et il commença à jouer. Bon, à présent,
personne ici n'est obligé de me croire. Et si on me racontait cette histoire à moi, franchement, je ne le croirais pas. Mais la vérité vraie, c'est que tout le monde écouta ça sans respirer, en apnée, les yeux vissés sur le clavier, la bouche ouverte, comme de parfaits débiles. Ils restèrent complètement éberlués, tétanisés, même après cette dernière charge d'accord qui avait l'air d'être jouée par 50 mains à la fois. Et au milieu de ce silence de folie, Novecento, prit ma cigarette, se leva, approcha la cigarette des cordes, un grésillement léger, et la cigarette était allumée. Je le jure, Archie, je le jure. Novecento, il tenait comme une petite bougie. Il ne fumait pas, il ne savait pas fumer, il n'avait jamais fumé. Il traversa toute la salle, il s'approcha de Jelly Roll et lui dit, tiens, fume, moi je ne sais pas fumer. Et c'est à ce moment-là, mais c'est vrai, que les gens se réveillèrent du sortilège. Mais l'apothéose, mais les gens qui hurlaient, qui criaient, qui voulaient s'approcher de Novecento, on n'avait jamais vu un bordel pareil. Et moi, je le voyais, Jelly Roll Morton, hein, qui fumait nerveusement cette maudite cigarette. Et il comprit ce qu'il y avait à comprendre, il comprit que quelqu'un avait gagné et que ce n'était pas. Jelly Roll Morton passa le reste de la croisière enfermé dans sa cabine. À l'arrivée à Southampton, il descendit de Virginia. Il repartit le lendemain pour l'Amérique, mais sur un autre bateau. Il ne voulut plus jamais entendre parler de Novecento. Non. Si. Accoudé à la rambarde sur le pont des troisième classe, Novecento le vit descendre avec son bel habit. Toutes ces valises, des valises en cuir clair. Et je me souviens qu'il dit seulement « Et au cul aussi le jazz ». Massachusetts, Santiago to Chile, oh.
Swing, hein. Quand Novecento, sur le sion, plein milieu, leva les yeux de son assiette et me dit « À New York, dans 3 jours, je descends. » Ah, j'en suis resté baba. Un type ne peut pas rester 32 ans sur un bateau et tout à coup, il décide de descendre, mais comme si de rien n'était, sans même rien dire à son meilleur ami, sans même lui dire pourquoi. Il y a quelque chose que je dois voir là-bas, il me fait. Et c'est quoi ? Et il ne voulait pas me le dire. Et ça peut se comprendre parce que quand il le fit, ce fut pour me dire « Je veux voir la mer. » La mer. Je veux voir la mer. Eh bien, voyons, tu pouvais penser à tout, sauf à ça. Mais Novecento, ça fait 32 ans que tu la vois, la mer. Oui, mais d'ici, mais moi, je veux la voir de là-bas. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. J'avais l'impression de parler à un môme débile. Eh bien, écoute, tu attends qu'on soit au port et puis tu te retournes. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Et qui t'a dit ça? Alors, c'était un dénommé Baster, Lynn Baster. Un paysan à qui la sécheresse avait tout pris. Et sa femme était partie avec un prédicateur quelconque, et puis ses enfants, la fièvre, les avait emportés tous les deux. Un type né sous une bonne étoile, quoi. Alors un jour, il avait décidé de prendre ses affaires, de traverser toute l'Angleterre à pied pour aller jusqu'à Londres. Mais comme les routes, c'était pas son fort, au lieu d'arriver à Londres, il s'était retrouvé dans un petit village où tout à coup, vous voyez la mer. Alors, il n'avait jamais vu la mer et ça l'avait foudroyé sur place. Il disait, c'est comme un hurlement géant qui n'arrêterait jamais de crier. Et ce qu'il crie, c'est « bande de cocus, mais la vie, c'est quelque chose d'immense. » Non, mais vous allez comprendre ça, oui ou non? La vie, c'est quelque chose d'immense. Ça n'était jamais arrivé à l'esprit, à ce Lynn Baster, que la vie, c'est quelque chose. Peut-être que Novecento, c'était la même chose. Bon, il s'en était douté, peut-être, mais jamais personne ne lui avait crié si fort. Si bien que cette histoire de la mer, il se la fit répéter, raconter, répéter des milliers de fois. Pendant la traversée par le dénommé Lynn Baster, et il décida que lui aussi devait essayer. Il me dit, moi je peux y rester encore sur ce bateau pendant des années sans que la mer me dise quoi que ce soit à moi. Tandis que là, je descends, je vis sur la terre, et de la terre, au bout de quelques années, je deviens un type normal. Et puis, un jour je m'en vais, j'arrive sur une côte, n'importe laquelle, je regarde la mer, elle sera là, et je l'entendrai. Crier. Moi, cette histoire, ça me paraissait un véritable attrape-couillon. Mais si ça pouvait aider Novecento à descendre, ça m'allait. Et je finis par lui dire que son raisonnement était correct, que j'étais content pour lui et que j'allais lui offrir mon manteau en poil de chameau. Il aurait une sacrée allure. Lui, Novecento, avec ce menton en poil de chameau.
Lui, de son côté, il était quand même un peu ému et il me dit, oui, mais toi, tu viendras me voir à terre. Ça me tuait de l'entendre parler comme ça. Moi, je déteste les adieux. Alors, je me suis mis à rire, du mieux que je pouvais. Bon, assez mal, d'ailleurs. Et je dis que, bah oui, bien sûr, j'irai le voir, et puis qu'on ferait courir son chien dans les champs, que sa femme nous mettrait une dinde au four, et puis je ne sais plus quelle connerie encore. Et puis lui, il riait, moi, je riais aussi, quoi, mais à l'intérieur, on savait bien que la vérité était différente. Hein. La vérité, c'était que ça devait arriver un jour, ça arrivait. Maintenant, Danny, Budman, Teddy, Lemon, Novecento allaient descendre du Virginian un jour de février dans le port de New York. Après 32 années passées en mer, il allait descendre à terre pour aller voir la mer. Ce fut à la troisième marche qui s'arrêta. Oh, t'as marché dans une merde! Fini le McBride en irlandais qui comprenait rien à rien, mais qu'il n'arrêtait jamais de plaisanter. Laisse, il a peut-être oublié quelque chose, je dis. T'as oublié pourquoi tu descends? Pendant ce temps-là, Novecento, immobile sur la deuxième marche, il avait l'air de regarder quelque chose comme si. Cherchait quelque chose, et puis tout à coup, il fit un geste bizarre, prit son chapeau, passa la main par-dessus la rampe et laissa tomber son chapeau. Quand on a relevé les yeux vers la passerelle, ce fut pour voir Novecento avec son manteau en poil de chameau, mon manteau en poil de chameau, qui remontait ses deux premières marches en tournant le dos au monde avec un drôle de sourire. En trois pas, il avait réintégré l'intérieur du bateau. « T'as vu, le nouveau pianiste est arrivé, » me dit Neil McBride. « C'est le plus grand, » je dis. Et je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. Ce qu'il avait vu du haut de cette maudite troisième marche, il n'a pas voulu me le dire ce jour-là, ni pendant les deux autres traversées qu'on a fait ensuite après. Novecento, il était un peu bizarre, il parlait moins que d'habitude. Il avait l'air un peu préoccupé par un problème à lui, personnel. Nous, on n'allait pas l'interroger. Les choses continuèrent comme ça pendant encore quelques mois. Et puis, un jour, il entra dans ma cabine et me dit « Merci pour le manteau, il m'allait drôlement bien. Dommage, j'avais une sacrée allure, mais c'est fini maintenant, c'est passé. Tu ne dois pas t'imaginer que je suis malheureux et je ne le serai jamais plus. » Quant à moi, je n'étais pas certain qu'il ait jamais été malheureux. Ce n'était pas une de ces personnes dont tu te demandes tout le temps « Mais est-ce qu'il est heureux si plat ?» Non, c'était Novecento point, il avait l'air au-dessus, quoi. Il avait l'air intouchable, lui et sa musique. Quoi. Le reste, ça comptait pas, quoi. Tu dois pas t'imaginer que je suis malheureux et je serai jamais plus. Ça m'a laissé babase, cette phrase, quoi. Un peu comme quand il s'asseyait et commençait à jouer. Aucune hésitation dans ses mains, jamais, jamais. Les touches semblaient les attendre depuis toujours, ces mains-là, comme si elles n'avaient existé que pour elle et uniquement pour elle. Nous, on avait l'impression que il inventait dans l'instant, mais ces notes-là, quelque part dans sa tête, elles étaient écrites depuis toujours.
Je sais maintenant hein, que c'est ce jour-là que Novecento avait décidé de s'asseoir devant les touches noires et blanches de sa vie et commencer à jouer une musique absurde, mais génial, quoi. Ah, compliqué, oui, mais sublime. La plus grande de toutes. Et danser sur sa musique ce qui lui resterait d'année et plus jamais être malheureux. Hey, fuck you, mama. You're doing that funky thing. Mama doing that funky thing. Let me pawn my gold and sell my diamond ring. I think it's the drama, baby, the way you wear your hair. Mama, it's just a funky love affair. I'm lonely for orphan. Hey, funky mama, it's just a funky love affair. Moi, je suis descendu du Virginia le 21 août 1933. Et j'étais monté 7 ans auparavant. Ça me passait une vie entière. Je ne suis pas descendu pour un jour ni pour une semaine. Je suis descendu pour toujours. Avec... mes papiers de débarquement, mes arriérés de paye en règle, tout. Et j'en avais fini avec l'océan. Dernier soir, on était en train de jouer pour les habituels connards des premières. Le moment de mon solo arrive. Je commence à jouer et puis... au bout de quelques notes, j'entends le piano qui s'en vient avec moi. Mais avec douceur. Il jouait avec moi. Alors, on a continué comme ça tous les deux. Et moi, bon Dieu, moi je jouais, mais à du mieux que je pouvais, quoi. Pas tout à fait Louis Armstrong. Non, mais franchement, je jouais bien, quoi. Avec Novecento derrière moi, qui me suivait... comme lui seul savait le faire. On a continué comme ça, ma trompette et son piano à nous dire les choses qu'on ne peut jamais dire avec les mots. Autour de nous, les gens continuent à danser comme si de rien n'était, quoi. Peut-être que un type a peut-être juste dit à un autre, t'as vu celui qui joue de la trompette ? Mais regarde, celui qui joue de la trompette, il est fou, il est sourd, il est ingrat. Il joue et en même temps, il pleure.
Alors, ce qui s'est passé après, une fois descendu, c'est une autre histoire. J'aurais peut-être pu faire quelque chose de bien si cette saloperie de guerre n'était pas venue tout embrouiller. Enfin, bref. En ce qui concerne le Virginian et Novecento, j'en ai plus entendu parler pendant des années. C'est pas que j'avais oublié, non, mais pour moi, c'était une affaire terminée, qui avait vraiment l'air d'être terminée. Et puis, un jour, je reçois une lettre de McBride, l'Irlandais, là, qui n'arrêtait pas de plaisanter. Mais cette fois, c'était une lettre sérieuse. Il disait que le Virginian était rentré de la guerre tout déglingué. Il avait servi d'hôpital flottant. Il était dans un tel état qu'ils avaient décidé de le couler. Ils avaient bourré le bateau de dynamite et puis un jour ou l'autre, ils allaient le tirer au milieu de la mer pour le couler. Après, il y avait un post-scriptum, il disait « Novecento n'est pas descendu ». Alors, je l'ai relu, mais pendant mais des heures et des heures, cette lettre. Et puis, j'ai pris le train qui allait à Brighton. Je suis allé jusqu'au port. Je suis monté sur le Virginian. Je suis descendu dans la salle des machines. Et je me suis assis sur une caisse qui avait l'air d'être bourrée de dynamite. J'ai enlevé mon chapeau, j'ai posé par terre, je suis resté là, immobile, à le regarder. Lui, là, immobile, qui me regardait. Dynamite aussi sous les fesses, dynamite partout. Danny Boudman, Teddy Lemon Novecento. À croire qu'il le savait que j'allais venir, comme il savait toujours toutes les notes que tu allais jouer, quoi. Avec cet air de grand seigneur, les mains blanches, la veste bien boutonnée, les souliers brillants. Il n'était pas descendu, lui. Dans la pénombre, on aurait dit un prince. Il allait sauter avec le reste, au milieu de la mer. Et sur cette maudite passerelle, c'était très beau tout ça, et moi j'étais grand, et avec ton manteau j'avais une sacrée allure, et j'allais descendre, c'était garanti, pas de problème. Première marche, deuxième marche, troisième marche, première marche, deuxième marche, c'est pas ce que j'ai vu qui m'a arrêté, c'est ce que je n'ai pas vu. Tu peux comprendre ça, mon frère? C'est ce que je n'ai pas vu. Dans toute cette ville, immense, immense. Il y avait tout, mais de faim, il n'y en avait pas. Je l'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé où ça finissait. Imagine maintenant un piano. Les touches ont un début, les touches ont une fin. Toi, tu sais qu'il y en a 88 là-dessus. Personne ne peut te rouler. Elles ne sont pas infinies, elles sont 88. Mais toi, tu es infini. Et sur ce clavier, ta musique, elle est infinie. Elles sont 88. Toi, tu es infini. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais si tu descends cette maudite passerelle, et que devant toi se déroule un clavier de milliers, de millions, de milliards de touches qui ne finissent jamais. Et c'est la vérité vraie qu'elles ne finissent jamais. Et si ce clavier-là est infini, alors sur ce clavier-là, il n'y a aucune musique que tu puisses jouer. Tu n'es pas assis sur le bon tabouret, mon frère. Sur ce clavier-là, c'est Dieu qui y joue. Non, de chien, mais vous les avez seulement vues, ces rues? Mais rien qu'en rue, il y en avait, mais des milliers. Mais comment vous faites, vous, là-bas, pour en choisir une? Pour choisir une femme
un paysage à regarder, une terre qui soit la vôtre, une manière de mourir. Ce monde collé à vous, et vous savez même pas où il finit, vous savez même pas où il finit. Moi, je suis né sur ce bateau, et le monde y passait, et les désirs, il y en avait aussi, mais pas plus que ce que pouvait contenir ce bateau. Tu jouais ton bonheur sur un clavier qui n'était pas infini. Voilà ce que j'ai appris, moi. Alors, la terre, c'est un bateau trop grand pour moi. C'est femme trop belle, c'est un trop long voyage. C'est une musique que je ne sais pas jouer. Pardonnez-moi, mais moi, je ne descendrai pas. Je la revois déjà à la dernière scène avec le type là-haut qui cherche mon nom sur sa liste et qui ne le trouve pas. C'était comment vous appelez déjà? Novecento. Nojinski, Notabarbolo, Novatis, Novak. C'est peut-être parce que je suis né sur un bateau que j'y suis mort, mais c'est peut-être même marqué quelque part. Naufrage? Non. Sauter en l'air. Si ton ennemi de dynamite, boum. Et ça va mieux maintenant? Oui, ça va, il y a juste ce problème de bras. Vous avez perdu un bras dans l'explosion? Lequel? Mais le gauche. Oh, zut. Il me reste que deux bras droits. Oh non. Non, je vous en prie. Nojinski, réfléchissez. Ah oui. Mais bien sûr, mais évidemment, tu te rends compte, la musique qu'on pourrait jouer avec ces deux mains droites-là. Évidemment, à condition que là-haut, il y ait un piano. Hey, someone come lay as we.